C'est Miss Malfoy. Je vous présente ta bosse du mois de juillet. C'est ça, c'est juillet. Oui, c'est juillet. C'est la bosse charme de ce mois-ci qui est en fier partenaire avec Ipti. En fait, bosse charme a été rachetée, à ce que j'ai compris, par la marque Ipti. Donc, je vous présente la première chose qui me tombe sur la main. Laura Zeller. Non, Laura Geller. Ou Zeller. Je sais pas comment le nommer. C'est une belle palette. J'enlève. Ah, il est collé. Bon. C'est pas grave. Il y a un film plastique pour protéger. Mais voici la palette. Hâte de la tester. De la marque JC Hits. C'est de bronze au sol. La teinte, c'est 4 Cool 1. Je vais essayer d'ouvrir sans faire de déco. C'est un beau bronzer. La gaffeuse est de retour. Un beau bronzer comme ceci, de cette teinte-là, je vais le swatcher. Il est exactement de ma couleur de peau. Donc, vous voyez pas très bien, il est ici. Mais avec mon fond de teint, ça va marcher. Ma doudou, c'est pas grave, c'est une vieille doudou. Je vais sortir ce qui reste en boîte. La marque Seattle. Cinta London, j'ai failli dire Cinta, mais c'est Cinta London, le clear cheeky flush, la marque Oh My, de la teinte Oh My. Pour le coup, il fait peur dans le packaging, mais estompé, ça devrait le faire. Je vais le mettre un peu plus foncé. Mais il s'étale très bien. Écoutez, hâte de le tester. Prochaine chose, je vais faire des crash tests. Bref. La marque Ilamasca, le mascara Black Car, I Live Car, and il coiffe les sourcils. Pas les sourcils. Les cils. Et les rallonges, c'est fait en Italie. C'est un 3,9,5 ml. La brosse se présente comme ceci. Toi, tâche-moi pour mon truc. De la marque Fenty Beauty. C'est l'eau de parfum. La marque. La fragrance est de 10 ml. J'en sais pas plus. Attends. Je vais aller voir qu'il n'est pas dans le papier. Non, Juliette. Ah oui. Bon, c'est une chose. La fragrance est de. Ben, travel, ça veut dire. Pour le voyage. Ah, c'est pour les cheveux et le body pour le corps. Je sais pas la senteur. Je sais pas plus pour la senteur. Écoute, c'est une odeur qui sent super bon. Mais je ne sais pas la senteur, qu'est-ce que ça sert. Je suis pas très calée là-dedans. Le prix 39$ pour le petit flacon comme ça. Pour les autres produits, j'ai pas les prix. C'est ça, je peux pas avoir tous les prix. Je regarde, mais non, ils présentent d'autres produits, d'autres affaires. C'est vraiment un beau petit livret.
Mais il n'y a pas tous les projets. Il y a le projet en question qui est un petit peu aussi. Mais pour le reste, il ne les a pas. Le geste à sa gomme, le parfum que j'ai bien aimé, c'était le Mongolia Blitz. Que j'ai également terminé en format comme ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se voit peut-être cette semaine ou dans les prochaines semaines pour une vidéo. Comment je me maquillais quand j'étais ado, mais versus maintenant.